Bonjour. Le président, President, please veuillez vous be asseoir. seated. The chamber Reprise is de now back in l'audience. session. Monsieur le témoin, Good afternoon, êtes-vous prêt? Mr. Witness, are you ready? Answer, Réponse. yes, I'm ready, Mr. Je suis President. prêt. President, le thank you. président. La parole Now I would va like être to donnée à la hand the floor défense. to the defense counsel, and I would like to know that both defense counsel Est-ce have que les discussed deux about équipes de défense the use of time. Se sont entendues sur la répartition du temps d'interrogatoire, Maître Coppe? J'en ai terminé. Le président. Now, I would Merci. Like to give the floor to la the defense counsel est for Mr. À la défense to de put question to the witness. You may now proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour good à afternoon tous. To all of Bonjour, you. Monsieur le good témoin. Afternoon, witness. Je m'appelle Antoine Guisset, je suis co-avocat international du Monsieur Kyesampan. C'est à ce titre and que je vais vous poser quelques that questions I'm complémentaires. Put to you a few complimentary Est-ce questions. Que vous Can you hear me well? Answer, yes. Oui, je vous entends. I hear clearly. Mes questions seront so essentiellement dirigées sur le centre de Hokkansan Security Center. Et à titre de and première précision, je voulais vous first point of clarification, demander de préciser I would like you to specify, un point. Vous avez indiqué or to clarify que a point, you said, lorsque that, des personnes étaient amenées people au centre were de taken sécurité, to the security center, parfois, sometimes, il y avait une lettre d'accompagnement qui they précisait came with a letter le motif specifying de l'arrestation. They were arrested. Ma question est and donc my la question suivante. Is therefore the following. Est-ce que ces lettres d'accompagnement concernaient Did à la these fois les civils concern et les militaires as well ou est-ce qu'ils ne concernaient as, que les militaires or did these letters only consider concern soldiers correction it concerns both Elle the soldiers à la and fois people les soldats who were sent from union. Et les gens provenant du syndicat. En ce qui concerne Now, regarding, les soldats, soldiers, j'ai compris que vous avez indiqué qu'il y avait deux régimes différents. There were two Il y avait kinds of, les militaires of qui étaient considérés a priori you comme dangereux first, soldiers who et were considered dangerous qui étaient placés, and who were placed, qui arrivaient and, et qui pouvaient être ligotés and who, et que d'autres and militaires who were tied également up, and other soldiers, pour amener au centre de sécurité pour... des délits plus légers, were brought eux, to the security center for lighter offenses and they were not tied up. So did I understand your statement properly, your testimony properly? Yes, that C'est is correct. Exact. J'ai compris également I que also les understood personnes au régime plus the people undergoing harsher treatment were locked dans une salle. In a room. Et qu'en revanche, and, les however, personnes the people qui étaient là pour des délits plus were légers, for elles, smaller pouvaient circuler offenses, dans l'enceinte could move about freely, du centre. In, Est-ce que j'ai bien the compris security votre center. So did I understand your testimony properly? Yes, that C'est is exact. Correct. Je voudrais Now, revenir I would sur like to get back, to, les gardes the guards, qui travaillaient lorsque vous étiez au centre de sécurité. When you were at the security center. Vous avez évoqué un certain you spoke about, nombre de personnes. A certain number of people, et il me semble que vous avez dit qu'il y avait 9 gardes. You told me there vous were vous souvenez pas guides, de tous les noms guards. Of course, you don't Est-ce remember que vous all of the souvenez names, en revanche but do you s'il y remember, avait however, des if, personnes there were d'origine people, de minorité ethnique parmi ces gardes Est-ce que vous vous en souvenez Who came from the ethnic minorities among these guards? Do you remember that?
Monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Witness, can you hear me? Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y a un problème Mr. technique. Mr. President, mais... I don't know if there is a technical issue here, but... President, le président. I would like to inform the chamber that there is internet connection issues at the other end. La connexion internet a été perdue du côté du témoin. President, now it's start normal again. Apparemment, Mr. la connexion est rétablie. Can you hear my voice clearly? M'entendez-vous bien? Answer not clearly. Le témoin. President. Le président. That is fine. I think we can continue. Je pense que nous pouvons proceeding. And I would like to hand the floor over to the defense counsel for Khieu Samphan. La défense de Khieu Samphan a la parole. Witness. Monsieur le témoin. Witness. La question que je vous the question posais lorsque that nous avons I was putting to you when we were interrupted si vous was if si parmi les neuf gardes remember, que vous avez évoqué if among the nine guards you spoke about si who were working at the security center if some of them were from the ethnic minority. There was one who was an ethnic minority. Une personne appartenait à une minorité ethnique. Est-ce que vous pouvez indiquer son nom si can vous en souvenez give, et can you tell us his name if you remember and can you tell us from which ethnic minority this person originated from? The person's name is Jan. Un dénommé Jan. I do not know about which ethnic je minority ne sais pas group à quelle the person belonged minorité to. Ethnique il appartenait. Je voudrais voir si je peux pas je peux pas vous rafraîchir la mémoire autrement. Let me see if I can refresh your memory in another way. De votre interrogatoire de votre déclaration devant les coachs d'instruction by the court investigating judges vous avez été enregistré 3 novembre 2009 et you were recorded nous avons fait une transcription partielle de cet enregistrement audio transcribed c'est le document this audio recording it's document D 232/5/1R et le passage qui and m'intéresse the segment se trouve that I would like to focus on entre is between 1 minute enfin oui 1h27 1 hour et 36 rather 27 minutes and 36 seconds and 1 hour 28 et 24 secondes and 24 seconds et vous évoquez and les personnes les gardes qui travaillaient au centre at the security et à un moment center, vous and at évoquez one point in time, you speak deux personnes about two people, et vous dites ceci and you say the following. Encore deux autres personnes two qui étaient people, des Cham, again, who were Cham. À l'origine, originally, ils habitaient à Bangkok Seng, they were living in Bangkok Seng, à l'unité 6, at unit 6, comme les autres. As the others. Fin de citation. End of quote, free translation. Donc là,
lorsque vous êtes interrogé en 2009, peut-être que les choses étaient plus fraîches à votre esprit. Vous évoquez deux personnes, deux gardes qui étaient cham. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? So does this refresh your memory in any way? I cannot recall that. Je ne m'en souviens pas. Et la personne dont vous vous souvenez, dont vous avez dit vous souvenir et qui appartenait à une minorité ethnique, même si vous ne vous souvenez pas aujourd'hui qu'elle était cham, est-ce qu'elle travaillait déjà au centre lorsque vous y êtes arrivé, ou est-ce qu'elle est arrivée après vous? Jan worked in the unit 806 for a long time. Jan a longtemps travaillé à l'unité 806. Et est-ce que vous pouvez préciser par rapport à ma question, à savoir est-ce qu'il était déjà là lorsque vous êtes arrivé au Kanseng, ou est-ce qu'il est arrivé après vous? After you. At talking about that point, my memory does not serve me well. Je ne m'en souviens pas bien. Je ne vais donc pas insister. Je voudrais également évoquer par rapport à l'organigramme de division que vous avez évoqué devant cette chambre. Je voudrais savoir si vous vous souvenez d'un adjoint de Sosarun qui s'appelait Taleu. Je suis désolé pour mon accent, pour les interprètes, ça s'écrit en français en tout cas, L-O-U. Est-ce que vous vous souvenez de Taleu? Yes, I remember. Oui. There was a person named Taleu. Il y avait un dénommé Taleu. He was the deputy of Ta Sarun. Qui était l'adjoint de Ta Sarun. Et est-ce que vous vous souvenez s'il appartenait à une minorité ethnique? And do you remember if he was from one of the ethnic minorities? He was an ethnic minority. Il appartenait à une minorité ethnique. Est-ce que vous savez laquelle? Do you know which one? I do not know which ethnic minority he belonged to. Je ne sais pas. There were many different ethnic minorities living in Ratanakiri province. Il y avait beaucoup de minorités ethniques dans la province du Ratanakiri. Je vais essayer de voir si je peux vous rafraîchir la mémoire. Let me try to see if I can refresh your memory. Dans l'entretien, c'est des CDCAM que Chamsay et sa femme ont eu. Et dont on a évoqué plusieurs extraits aujourd'hui. C'est le document E319/23.4.1 à l'ERN en Khmer 00-931-998 et à l'ERN en anglais 01-07-94-93. Et il n'y a pas de RN en français. No Chomsey dit que Taleu était Jarai. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Does this refresh your memory or not? Taleu came to work Taleu in
Division 801 est venu travailler à la division 801, him about his background. Mais je n'ai pas osé l'interroger sur son passé. Pas de problème. That's not a problem. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, like et toujours en rapport avec les gardes que j'évoquais avec vous, en votre qualité de numéro 2 ou numéro 3 à Haut-Conseil, est-il exact de dire que c'est vous qui gériez les gardes, en tout cas que les gardes étaient sous votre autorité? The guards, or that the guards were under your authority. I never said that I supervised the guards. Je n'ai jamais dit que je supervisais les gardes. I was only in charge of taking note of the confession de from prendre the note prisoners. Des aveux des prisonniers. Est-ce que il ne vous arrivait pas lorsque un garde commettait une erreur ou n'obéissait pas aux instructions de éventuellement le sanctionner? I had no authority to punish guards. Je n'étais pas habilité à punir des gardes qui commettaient des fautes. Alors, je voudrais vous demander une précision dans votre déclaration E3/406, à la réponse 4, vous évoquez une faute qu'a commise à un moment en français A-U-Y, qui était un garde, et vous évoquez, et je vais vous lire précisément ce qui a été indiqué dans votre déclaration. Autrefois, Taouy, qui était un gardien venu de l'unité 806, a un jour commis un acte d'inconduite morale avec une femme prisonnière. Par la suite, il a été retiré et transféré au centre de Tavana. Transferred to fin the office of Tavana. End of quote. Partially free translation. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez souvenir de la faute commise par Taouy et qui l'a retiré et qui l'a sanctionné à la suite de cette faute? Following that offense. Taouy ban. Taouy committed an act of immoral conduct in Okansai Security Center d'inconduite morale and au the centre decision d'Okansai, to transfer him la to décision other places de le transférer ailleurs were from the a été prise battalion 806 à l'échelon du bataillon 806. Et savez-vous qui a pris cette décision à l'échelon du bataillon 806? In battalion 806? After Tasmin was removed, Tasmin a été Takoy and Mon transféré. Après ça, Takoy et Mon sont venus prendre en charge le bataillon. Est-ce que je dois comprendre de votre réponse que c'est Tamon et Takoy qui ont pris la décision de retirer Taouy? To take Taouy away. Yes, effectivement. You are right. Vous avez
Au cours de votre déposition, je ne me rappelle plus à quelle heure, vous avez évoqué, on vous a posé des questions sur un certain Ungren, et vous avez dit avoir travaillé avec lui. Ma question est de savoir, est-ce que pendant que vous travaillez au centre d'Okansen, vous avez vu Ungren? Et pour les interprètes, au cas où ma prononciation serait mauvaise, je parle de Ungren, U-N-G, plus loin, R-E-N. R-E-N, that's how it's spelled. I used to work with Ungren avec Ungren during the battlefield near Phnom Penh. Près de Phnom Penh, sur le champ de bataille. And later on, he became par la suite, the regiment il commander. Est devenu chef de régiment. And when I was transferred to work at Okansai Security Center, I did not meet him because he was based in Phnom Penh. Je ne l'ai plus rencontré parce que lui était stationné à Phnom Penh. Est-ce que vous savez s'il avait des liens avec Tassarun? He had any ties with Tassarun? Initially, he was in charge of au début, regiment 82. Il était responsable du 82e régiment. Puis il a été transféré 801. À la division 801. And then he was transferred to ensuite, work at the headquarters il a été in transféré Phnom au quartier général à Phnom Penh. Excusez-moi, vous me parlez de qui, de Ungren ou de Tassarun? Who are you referring to, Ungren or Tassarun? When you talk of he. I refer to Ungren. Je parle d'Ungren. Donc ma question était de... Je vais poser la question différemment. So, est-ce que vous avez, à un moment donné de votre séjour à Okansen, est-ce que vous avez entendu qu'il y avait eu une intervention pour libérer les prisonniers qui étaient là pour des délits mineurs? Liberate prisoners. Est-ce que vous vous souvenez who had been imprisoned qu'un certain nombre de personnes ont été libérées à la suite d'une intervention de quelqu'un? Were liberated following some kind of intervention. Answer on particular issue. Réponse. I do not recall sur that ce point the précis, prisoners with light offenses were to be pas. Released. Donc, I may have forgotten this issue. Des mineurs avaient été libérés. Peut-être que ma mémoire me fait défaut. Je voudrais savoir si je ne peux pas vous rafraîchir la mémoire. Alors, le problème, perhaps c'est que je n'ai pas forcément la date exacte, mais en tout cas, Ungren a déposé case, devant cette chambre dans le cadre du premier procès, c'était le 10 janvier 2013, PV d'audience E1/158.1, et entre 15h41 et un petit peu après 15h46, il évoque son intervention auprès du commandant de division en charge d'Okansen pour libérer certaines personnes ayant donc commis des délits mineurs. Et il indique que finalement, ces personnes auraient été libérées. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ou pas du tout? President, please hold on, Mr. Winness. Veuillez patienter, Monsieur le témoin. May have the floor now, International Deputy Co-Prosecutor. L'accusation, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Je pense que dans la question, ce n'est pas très clair, surtout le passage qui a été cité de la déposition d'Unren. Il me semble que je n'ai pas entendu mentionner le centre de sécurité d'Okansen. Or, dans le nord-est, on le sait, le témoin l'a dit, il y avait au moins un autre centre de sécurité qu'il a mentionné hier. Il y avait sans doute également d'autres centres de sécurité qui ne pouvaient même pas dépendre directement de 801. So je ne sais pas si la question pourrait être reformulée de manière précise pour que l'on sache si Ongren a bien visé un centre de sécurité précis dans la zone nord-est. And tell us whether Ongren referred to a specific Je vais donc citer plus précisément le passage. Donc un petit peu après 15h41, 59 secondes. Voilà, 4 ou 5 jours plus tard. This is what is stated, free translation. Donc là, c'est Ongren qui parle. 4 ou 5 jours plus tard, des gens sont venus me rencontrer et me parler de leurs enfants. Et je leur ai posé quelques questions. Et ils m'ont dit que leurs enfants avaient été arrêtés et envoyés au centre de sécurité d'Okanseng. Et c'est ainsi que j'ai appris son existence. Et par la suite, il évoque son intervention auprès du commandant de division et il indique que les enfants en question ont été libérés. Enfin, les enfants de ces personnes, ce ne sont pas des enfants, mais les enfants de ces personnes ont été libéré, qu'on est venu le remercier. Donc j'espère que ça répond au questionnement de M. le coprocureur. Et j'en reviens donc à ma question, excusez-moi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rafraîchit la mémoire ou pas? Réponse. I am not aware that Ongren intervened. Je ne suis pas au courant que Ongren, the commanders of the divisions, and he made the proposal or suggestions to those commanders. De division, I do not really know about the question you have just asked me. Je n'ai aucune information sur la question que vous venez de me poser. Il n'y a pas de souci, comme vous l'avez indiqué plus tôt, vous avez indiqué qu'il y a des choses que peut-être dont vous n'étiez peut-être pas au courant, il n'y a pas de souci. Je voudrais maintenant vous poser une question, de petites questions sur No. Vous avez évoqué la présence de No au centre de sécurité d'Okanseng à un moment donné. Vous dites avoir assisté à quelques interrogatoires qu'il a menés. Vous avez également indiqué que vous a dit venir de Phnom Penh. Ma première question est de savoir est-ce que No était un militaire. My first question to you is this. Was No a soldier? Answer. Réponse. Through the dialogue that I had with him during the break time, he described about his background and activities so far, and he said that he used to be a soldier. Ses antécédents, et il m'a rapporté qu'il était soldat auparavant. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps il est resté à Okanseng? Do you recall for how long he stayed at Okanseng? No. Answer. Réponse. At Okanseng Security Center. Au centre de sécurité d'Okanseng. In fact, he was working in that location for 3 or 4 months. He arrived in il rainy season and he returned to mois, his previous pendant la saison location late that year. Et est rentré plus tard cette même année-là à la localité d'où il venait. Et il ne vous a pas dit s'il venait d'une unité, de quelle unité il venait.
Ce ne sont pas des informations que vous avez échangées avec lui. C'est bien exact? Si j'en crois ce que vous avez dit lors de votre déposition. If I am relying on your testimony. Through the exchange, réponse. He stated that he once worked in the interrogation unit in Phnom Penh. À l'unité des interrogatoires de Phnom Penh. At the time, it was known as Tuol Svai Prey. I mean à that location. À cette époque, le lieu était connu comme Tuol Svai Prey. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de l'endroit et est-ce que c'est le nom qu'il vous a donné lorsque vous avez discuté avec lui à ce moment-là ou c'est un nom que vous avez appris après? When you had the exchange with him during that period or you heard about that name subsequently? Answer. I learned réponse. About the name Tuol Svai later on. However, through the dialogue exchange, he made mention about the location which was to the west of Tuchen, and it was in a school. And at the time, I asked him whether the location was known as Tuol Svai Prey. He replied he did not know. He just said that that school consisted of that location consisted of school buildings, but he did not know exactly the name of that location. Let me say that I did not dare to deep into his business deeply at the time. Je n'osais pas mettre mon nez dans ses affaires à l'époque. Et est-ce qu'il vous a dit spontanément, puisque j'ai compris que vous n'osiez pas lui poser trop de questions, est-ce qu'il vous a dit qui étaient ses responsables hiérarchiques? Who his immediate superior was? He only said that he was within Division 12 and his superior was Na. Et son supérieur était Na. Je vous remercie de ces précisions. Thank you vous for avez, this clarification. Dans le cadre de votre interrogatoire, de votre déclaration, pardon, E3/406, à la réponse 3, in answer number 3, évoqué deux personnes you talked of qui two encodaient, persons. Enfin en tout cas une personne qui encodait les télégrammes de Tasso Sarun, à savoir un certain Sambat. Et vous avez également parlé de sa femme Sun, qui était chargée de taper les télégrammes. Est-ce que vous savez si Sambat et Sun ont travaillé pendant longtemps avec Tasso Sarun et si ils l'ont suivi aux différents transferts, aux différentes étapes de sa carrière. Est-ce que vous le savez? In the various phases of his career. Answer. Sambat was in charge of radio. Sambat system était chargé du système since radio. The time that Tasarun was in charge of Division Lorsque 11 Tasarun était responsable Sarun de la Division 11. In fact, he was the messenger of Il était en fait le messager a battalion 804 soon du bataillon 804. Je vais parler de Sun. Vous parlez de Sun, vous voulez dire la femme de Sambat, c'est ça? When you talk of Sun, do you mean Sambat's wife?
Answer, that is correct. Sun was the wife of Sambat. Sun était la femme de Sambat. Et est-ce que ces deux personnes ont travaillé pour Tassaroun pendant au moins jusqu'à la fin du Kampuchea démocratique, que vous le savez? At least up to the end of the democratic Kampuchea regime, to the best of your recollection. Answer. Réponse. I left Division 801 J'ai quitté la division in 1977. To my recollection, they worked in that headquarter of the division together the entire time of that regime. Pendant toute la durée du régime. Et un dernier point de précision of clarification. Sur Okanseng. On Okanseng. Est-ce que vous vous souvenez si Chamsé tenait des réunions avec les prisonniers dans le centre de sécurité with prisoners? Et si oui, à quelle fréquence? At the security center. And if yes, how often? It happened every Réponse. 10 days. Les meetings would be jours. Held on the 10th day les réunions se tenaient to educate prisoners at Okanseng Security afin Center. D'éduquer les prisonniers au centre de sécurité de Okanseng. Est-ce que vous vous souvenez de quel type de réunion il s'agissait? Do you recall what types of meetings they were? Answer. Réponse. The purpose of the meetings L'objectif was to de ces réunions. Build up socialist revolution était and agricultural production. La révolution socialiste. And it also the meetings also discussed the love toward party and the loyalty toward party. La question de loyauté envers le parti et de traîtrise. Je voudrais vous lire ce que Chamsé a indiqué sur le contenu des réunions et vous me direz si ça correspond à vos souvenirs. Donc c'est au document E3-3984 à la réponse 6. Voilà la question qui est posée à Chamsé. Est-ce que vous avez eu l'occasion de diriger des prisonniers dans une réunion de travail? Sa réponse est la suivante. Je tenais une réunion avec les prisonniers toutes les deux semaines. La réunion avait pour but de faire connaître la situation du pays was to acquaint them et l'éducation en matière de vie quotidienne dans and mon centre. To discuss education as part of elle servait daily aussi life in my center. À éduquer leurs esprits the meeting was pour also qu'ils se corrigent par rapport aux vieilles fautes qu'ils commettaient lorsqu'ils étaient dans la base correct the et à propos desquelles les autres rendaient compte à leurs unités. And in respect of which fin de citation. The others reported back Est-ce to que the unit. And of course. Ce que dit Chomsky correspond à vos souvenirs? Question. Does what Chamsé say here correspond to what you can remember? Answer. Réponse. I think Sai may have recalled what you said, since he worked at that place and also he disseminated the content of the meeting étant donné qu'il était sur and place, about et il était chargé de diffuser he may have known about his opinions and he may have recalled réunion, what happened at the time. Il a donc donné son opinion sur la base de ce dont il se rappelait des faits de l'époque. Et vous-même, est-ce que vous assistiez à ces réunions? How about you yourself? Did you attend those meetings?
Answer, I attended on some occasions, but I did not on other occasions. Et parfois non. J'en ai terminé, Monsieur le Président, et je cède la parole à mon confrère. I am done, Mr. President. I will now give the floor to my colleague, Kong Samon. President, thank you. You have the floor now, lawyer Kong Samon. Le Président, merci. Maître Kong Samon, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Merci, good Monsieur le afternoon, Président. Dit l'avocat. The chamber. Good afternoon, bonjour, Mr. Winners. I am the national lawyer bonjour, for Kyo Sampong. Je suis l'avocat national. I have a few questions to put Sampong to you. First, I want to know about the merging of Division 11 and 14. You have stated about the merging of the two divisions. Vous avez parlé de la fusion yesterday de ces deux divisions hier. So later on, after the combination of the two divisions, what name was it used? Après la fusion de ces deux divisions, after the combination, that those divisions was après la the fusion, names were changed to Division 11. Les noms ont changé. Lawyer, pour thank devenir you. La division after 11. The liberation après of 17 April, l'avocat, après and la based on your testimony, rally was held and a new division was established, division 801. Later on, you became the member of that division 801. And that division 801 was dispatched to the northeast. This morning, you also stated that dans la zone nord-est. The reason for the dispatchment because of the clashes at the Vietnamese border. Vu les affrontements à la frontière avec les Vietnamiens, my cette question division is as follows. A été transférée. Ma question est la suivante. How did you learn about the clashes at the border between Cambodia and Vietnam? Did you learn from the commanders in the meetings? Or how could you be informed of such clashes? Could you tell that to the court? Comment avez-vous connaissance de ces affrontements? Pouvez-vous le dire à la chambre? Before we moved from Phnom Penh to Ratanakiri province, Brother Sang, the deputy chief of the division, convened a meeting and we were informed that we had to pack up our staff to go and be stationed in Ratanakiri province pour nous positionner dans la province de Ratanakiri. He at the time did not mention about the clashes between Cambodia and Vietnam at the border in detail. We were only told that we had to pack up our belongings and go to Ratanakiri province. Nos affaires pour nous rendre lawyer, dans la province thank you. De can you clarify the point for la the défense court? Je vous remercie. Why vous éclaircir was ce point Division pour le besoin de la chambre? 801 pourquoi selected? La division 801 why not the other division? Avait-elle été choisie et non pas les autres? Answer. Réponse. It was the selection was made by the general staff or the top, that is the general-in-chief. L'échelon supérieur, à savoir le général lawyer, en chef. Thank you. You described about the background and experience of Ta Sarun, the commander of a division. De Ta Sarun, le commandant de division. Can you tell the court, because of his experience in the northeast, that's why he was dispatched si, to en raison de that son expérience area? Dans le nord-est qu'il a été envoyé. Answer. I cannot dans say anything about his réponse experience and qualification that led to his removal and reassign qui ont conduit to, à sa réaffectation northeast. I only dans knew la zone that, du nord-est. That there was a battlefield close to Po Chien Tong, and after that he was moved to the northeast. Et par lawyer, la suite, thank you. Il a été envoyé au nord-est.
upon your arrival at Ratanakiri province, à votre arrivée particularly à la province after de you were based at Okansan. Étant donné en particulier que vous étiez basé Can you tell the court about the incursion and classes at Cambodian and border? What significance did you notice at the time? Entre le Vietnam et le Cambodge, quelle différence? Answer. Upon my first arrival, réponse. The divisions in different locations les divisions made a report about the line localités faisaient des rapports at the border. Sur la ligne de front. À la frontière. And they also made a report in relation to the situation at the border that the people were moving around, crossing from one location to another. Et passaient d'un territoire à un autre. Lawyer. My question has something to do with the military clashes. Did you happen to hear any clashes between military? Avez-vous entendu parler de l'existence d'affrontements militaires? Answer. Réponse. Clashes between militaries at the border. Les affrontements I noticed entre troupes aux frontières. Shootings happened and clashes that did occur at the border. J'ai entendu des tirs. Il y avait effectivement des affrontements à la frontière. Lawyer, thank you. L'avocat, in relation to your duties en ce qui concerne and tasks, vos missions you et once que vous étiez stated confié, that you brought a letter dit, from Okansan to Phnom Penh. Avoir amené une lettre d'Okansan. How many times did you visit Phnom Penh? Combien de fois vous étiez after you had been transferred to the northeast? Après avoir été transféré dans la zone nord-est. Answer regarding réponse. The letter brought from Okansan to Phnom Penh. This is not true. At the time, I was based at vrai. The divisional headquarters. Basé au quartier général de la division. And I was asked to go with Man l'homme and another individual whom I forgot his name. Three of us dont je me souviens plus were du nom. Traveling nous étions trois. And bringing. The letter to Phnom Penh. Et I did not bring the letter from Vân Sai to Phnom Penh. Je ne suis pas parti de Vân Sai avec la lettre pour me rendre à Phnom Penh. After you left Phnom Penh for the northeast, Phnom Penh pour la zone how many times did you come to Phnom Penh until the combien de fois liberation vous êtes rendu à Phnom Penh? The regime. Et ce jusqu'à la libération du régime. Answer. I visited Phnom Penh only once after that time when réponse, I brought the letter from Vân Sai to the headquarters in Phnom Penh. La lettre question. De did you Vân Sai ever à l'attention du attend quartier général à Phnom Penh, the training l'avocat. Sessions avez-vous jamais organized assisté à des by General de formation Staff or organisées par your division? Ou votre division? Answer. I never attended réponse. Any training sessions je in Phnom Penh, but in Vân Sai. Phnom Penh, mais plutôt à Vân Sai. Lawyer, thank you. La défense, merci. In relation to your own tasks. En ce qui concerne vos propres tâches. Which units and divisions did you have relation to when you worked at Okansan? À quelle unité ou division étiez-vous rattaché lorsque vous travailliez à Okansan? Answer. Réponse. Sai was the one who communicated with other units, Sai not me. I was celui qui communiquait avec les autres instructed unités, to et non pas moi. Stay at my location and work. J'avais pour ordre de rester. Lawyer, thank you, Mr. Witness. Mr. President, I am done now. La défense. Merci, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, j'en ai terminé. President. Le Président.
The chamber sent an email. La chambre a envoyé un courriel. Via senior legal officer to parties about the wish of the chamber to hear the et aux différentes request parties. Of Nguyen Chia to hear another witness. La demande de Nguyen Chia. In addition to other witnesses, in relation to Nom Krau, des autres, and the déjà request concernant is to admit the written record of that la demande consiste witness en la as well, the written record of the interview as well. So I would like to seek opinions from parties whether or not we can proceed with the submission of the request and responses now. Pour savoir si on pourrait entendre la requête et la réponse y afférente maintenant. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. L'email que nous avions reçu mentionnait que ce débat aurait lieu demain matin. C'est en tout cas ce qui était mentionné, donc je n'ai pas prévenu mes collègues. Je pourrais éventuellement répondre très rapidement, mais si vous voulez avoir une réponse éclairée, je pense que ce serait sans doute mieux de s'en tenir au plan initial qui, si je ne me trompe pas, nous avait dit que ce serait demain matin. L'ouverture de l'audience qu'on pourrait avoir ce débat. At the start of tomorrow's peut-être hearings. Que je me trompe, mais I may be wrong, voilà. But that is my position for now. Oui, Monsieur le Président. Yes, Mr. President. Indeed, we received the same email stating that this will happen tomorrow morning. So it's true that we're kind of caught off guard. We don't have the submission before our eyes. So it might be a bit difficult for us to have a productive conversation here. Thank you, then. I am grateful to Merci. You, Mr. Witness, to TCW 900. The hearing of your testimony as a witness has now come to an end. Your testimony will contribute to the ascertainment of the truth. À la manifestation de la vérité. You are not required any longer before the chamber. Votre you may return to any destination or to anywhere you wish to go. I wish you good luck, good health, and prosperity in your life. I am grateful to you as well, the UT Council, Mr. Mom Rathir. My special thanks to Nyam Somnang, staff from WESU, who coordinate, who have helped coordinate and assisted the hearing of this witness testimony. You may also be accused. Mr. Witness, do you have anything to address the chamber? Mr. Witness, no, Mr. President. President, you now can rest. Le Président, vous pouvez vous retirer, Monsieur le Témoin. Now it is time for the adjournment. Le moment est venu pour nous the hearing will be resumed tomorrow. Le procès reprendra demain. Wednesday, mercredi, 23rd March 2016, tomorrow. 2016. In the morning, first thing in the morning, the chamber will hear la submissions, oral submission, in relation to requests by Nguyen Chia defense team de Nguyen Chia, to hear an additional witness and to admit the written record of the interviews of that witness in relation to Phnom Krau Security Center and after au centre de sécurité de Phnom Krau. Hearing the submission and responses, the après chamber will continue to hear the testimony of Issa Usman, the expert witness. Requête, security personnel are instructed to bring the two accused, Nguyen Chia and Khieu Somphone, back to ICC's detention facility and have them returned into the courtroom tomorrow before 9 a.m. The court is now adjourned. Avant 9 heures. L'audience est levée.